Dans la vie, il y a ceux qui prennent les escaliers et ceux qui préfèrent descendre en lampadaire. Joe Scandred fait partie de ce genre d'athlète qui ne fait rien comme tout le monde. Mais alors, pas du tout. C'est simple, ce freerunner anglais de 27 ans, originaire de Basingstoke dans le sud de l'Angleterre, semble pouvoir faire ce qu'il veut avec son corps. Mais le sport préféré de Joe est du genre risqué, et ça peut parfois faire très très mal. Mais pour Joe, le risque fait partie du métier. Le parcours est un sport extrême qui requiert un physique hors norme, mais aussi beaucoup de pratique, de maîtrise et un sacré grain de folie. Joe est un professionnel surentraîné qui sait éviter de prendre des risques inutiles tout en gardant un incroyable sens du spectacle. Ses figures sont effectivement assez dingues et il les réalise avec une facilité déconcertante. Peu importe l'endroit où il se trouve, Joe trouvera toujours un moyen d'escalader un mur, de passer dans un trou de souris ou de descendre d'un bâtiment de la façon la plus impressionnante possible. Ce que Joe Scandred aime par-dessus tout, c'est crapahuter sur les toits. Il a d'ailleurs commencé en 2020 un tour des rooftops du Royaume-Uni avec ses potes. Ces bruits étranges sur le toit? Ouais, c'est sûrement Joe. Ses abonnés ne sont si d'ailleurs pas trompés et sont plus de 500 000 à suivre ses exploits sur Instagram. Si bien qu'aujourd'hui, c'est l'industrie du cinéma qui lui fait les yeux doux. Eh oui, en 2020, Joe a participé au tournage de Wonder Woman 1984 en tant que cascadeur. On a aussi pu l'apercevoir dans le film Been So Long et dans Enter the Bridge en 2021. Puisqu'on vous dit que c'est un pro, un vrai.